Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je voulais vous montrer ma méthode de colorier les coloriages mystères. Donc de A à Z. Donc j'ai choisi dans le portrait, donc la page 62. Donc il y a certains moments où je mettrai sûrement en avance rapide pour que ce soit pas trop long non plus. Ou alors je couperai et je reviendrai une fois que j'ai fini la partie. Donc, d'abord, je choisis mon colo. Ensuite, je vais choisir mes teintes. Donc là, je l'ai déjà fait pour pas que ce soit trop long. Oh, je vais dire tout le temps. Donc, voilà. Les teintes que j'ai choisies. J'ai choisi dans toutes mes gammes. Comme ça, bah, vous voyez comment je colorie avec chaque feutre. Vu que je le fais au feutre. Donc, je vais chercher tous mes feutres et je reviens. Alors, donc j'ai sélectionné mes feutres. Désolée, c'est la chaise qui fait du bruit, c'est très chiant. Donc j'ai pris un Stabilo Power, deux Fibracolor, deux Faber-Castell Pitt, deux Faber-Castell Connector et trois Pen 68. On va commencer par le. Par contre, on va commencer par le A. Par un Fibracolor. Donc tout d'abord, je délimite la zone à colorier. Donc, je vais faire le tour. Donc voilà, et une fois que j'ai fait le contour, donc je colorie. Donc je colorie en traits. Je fais des traits. Bah, tout simplement comme ça. J'essaye de prendre la pointe de ma mine pour pas que ce soit des trop gros traits. Car j'ai remarqué que plus les traits sont fins et moins il y a de traces. Donc voilà, j'ai rempli toute la zone. Attendez. Donc voilà, je disais, j'ai colorié toute la zone. Donc voilà, entrée. Maintenant, on va prendre un Faber-Castell Connector. Donc le 45 et le 45. Donc la teinte numéro 4. Donc pareil, hein, je vais faire le contour de ma zone. On va faire cette petite partie-là. Voilà. Voilà. Donc là, je ne vais pas couper comme ça, vous allez voir franchement. De toute façon, c'est une petite zone, donc ça va. Et je fais des petits traits. Enfin, des longs traits, mais comme c'est une petite mine, c'est des fins. Et moi, je préfère quand c'est des traits fins, je trouve que ça fait moins de traces. C'est pour ça que maintenant je suis plus feutre à pointe fine que à grosse pointe. J'espère que vous voyez que je ne vois pas ce que je suis en train de filmer. Donc voilà pour les connecteurs. Donc ensuite on va faire la partie 2. Donc le 2 c'est un Pen 68. Donc, je vais faire un feutre de chaque, hein. Je ne vais pas faire le coloriage entièrement avec vous. En train de filmer, sinon ça va être trop long. Je teste un feutre de chaque, après je fais le coloriage et je vous montre à la fin ce que ça donne. Et je fais le noir à la toute fin. Je reviendrai avant de faire le noir et après bah, je ferai le noir avec vous au pire. Là, un Stabilo 68 pour le numéro 2. Bon, d'habitude, je ne procède pas comme ça. Je fais, par exemple, je fais le 4 partout, mais là, c'est pour vous montrer ma méthode. De moment, je dépasse un peu, mais bon. Alors. Donc, je fais toujours le contour avant de colorier. Parce que avant, je ne le faisais pas et des moments, je coloriais, par exemple, sur le numéro 3. Et bah, c'est pas ce qu'il faut faire.
Donc là, pareil, des petits traits. Là, des plus grands traits. Donc oui, quand c'est des grandes zones, c'est des longs traits. Je fais pas des... Sinon, c'est comme ça que ça fait des traces. Je fais des petits traits. Petite séance ASMR. Donc il y a toujours des traces, ça c'est bah, c'est du feutre, donc c'est pas évident de faire zéro trace. Mais moi j'aime bien. Le fait qu'il y ait des traces, mais genre que ce soit, ben, il y en a peu, que ce soit en ligne, ben, je préfère. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Un Faber-Castell Pitt, et c'est tout. J'ai que ça comme thème. Je suis en train de réfléchir en fait, parce que je me rends compte que j'ai pas beaucoup de... Bon, il y en a assez en vrai. C'est pas qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que juste j'ai testé tellement de gammes de feutres que bah après soit j'ai revendu parce qu'il me plaisait pas ou ben voilà quoi. Et du coup, ce sont les quatre finalistes. Donc mes quatre préférés. Ah non, il y a aussi celui-ci après. Mais ça c'est juste pour la couleur peau. Car c'est la plus belle. Plus belle. C'est la couleur peau que je trouve la plus claire et j'aime bien. C'est une couleur peau que j'aime bien. Donc là, on va partir sur un Faber-Castell Pitt. Je crois que c'est les cheveux. Donc bon, je pense que vous avez reconnu au bustier, mais c'est la fée Clochette. Donc on va délimiter les cheveux. J'espère que ça se voit, même si c'est un jeu très clair. Oui, ça se voit. Enfin, moi je le vois, donc j'espère que vous le voyez aussi. J'espère qu'on ne voit pas ma grosse tête non plus. C'est très compliqué de filmer quand on rit. Là j'ai un vieux trépied donc mon ancien il m'a lâché. Il m'a lâché. J'ai cassé un pied. Donc là je filme avec vous savez les perches avec les pinces. Mais ça tient pas très bien et je peux pas. Enfin j'aime pas trop. Du coup, voilà. Donc là pareil, je délimite. Je vais couper parce que bah, sinon ça va être trop long. Donc voilà, j'ai délimité le contour de ses cheveux. Et là, je vais vous montrer comment je colorie avec les Faber-Castell Pitt. Donc, c'est pareil, en vrai, c'est juste des traits, des lignes. Mais là, vous voyez, c'est des grandes zones. Donc, je vais vous montrer bah, mes grandes lignes. C'est pas compliqué, hein, mais bon. Je voulais faire une vidéo pour vous montrer ma méthode. Je sais qu'on n'a pas tous la même méthode, il y en a qui colorient en cercle. Mais moi, j'ai déjà testé et j'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'arrive pas à ne pas faire de traces en cercle. Puis, en vrai, je trouve que ça passe. Après voilà, chacun sa méthode. Moi je vous montre la mienne. Donc là c'est du jaune, donc souvent le jaune il fait pas beaucoup de traces. J'appuie pas comme bah j'appuie. Comment dire? J'appuie bah, tout simplement j'appuie pas sur mes feutres. Parce que sinon bah déjà ça casse la mine et j'ai pas envie de casser la mine, surtout sur des feutres comme ceci. Qui sont assez chers, assez onéreux. Bon, ça fait 2 ans. Je crois que ça fait 2 ans que je les ai et j'ai changé juste un. Donc c'était le 132. C'est une couleur peau, donc la couleur qu'on utilise le plus. Enfin, en tout cas, pour moi, les couleurs que j'utilise le plus dans les Faber-Castell Pitt, c'est les couleurs peau. Surtout quand je fais des coloriages, genre avec. Mettons, je vais prendre mes fibres à color. Je vais faire un coloriage entièrement fibre à color. Sauf la couleur peau, parce que bah, dans les fibres à color, il n'y a pas. Je crois pas qu'il y ait une couleur peau dans les fibres. Donc, pour ceux qui trouvent la boîte trop chère. Bon, moi, je la trouve trop chère. Hein. Je le dis clairement, je l'ai, mais je la trouve chère. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'acheter la boîte complète, je vous conseille quand même le petit kit. Le petit kit peau. Donc, je crois que c'est 15 € sur Amazon. Donc ça va être cher pour 6 feutres, 6. Je crois qu'il y en a 6 dedans. Mais bon, au moins vous aurez vos couleurs peau. Ou après il y a ça, moi je vous dis, j'ai acheté ça sur Amazon, donc c'était un pack de 12 je crois. Et j'ai payé 3 euros. Pas 3 euros et des cacahuètes. Donc je vous montrerai après les couleurs que ça fait. Moi j'aime bien.
Donc là, pareil, je pense que je vais passer le reste, sinon ça va être assez long. Et je reviens pour la dernière teinte. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je répète, Fibracolor, Collector, Pen 68 et Faber-Castell. Donc on va passer à la dernière couleur. Je réfléchis à quelle teinte je vais faire, vu que c'est la peau et bah, soit c'est un grand bras. Ah non, c'est carrément tout son corps. Ou sinon, je fais son visage. Je pense que je vais faire son visage. Donc pareil, je vais délimiter tout ça et ensuite je vais colorier. Donc je vais commencer avec vous. Si je vois que c'est trop long, ben je couperai et je vous reviendrai comme d'hab. Donc là par contre c'est une grosse mine. Voilà. Après, ceux-là, ils existent les mêmes. Là, c'est les Stabilo Power. Et sinon, il y a les Trio AZ. Et la mine est beaucoup plus fine. C'est les mêmes teintes, mais la mine est beaucoup plus fine. Pour ceux qui préfèrent. Moi, j'ai dit que je préférais les petites mines, mais. Mais voilà. Après, ça va aller pas grosse, grosse, grosse non plus. Donc, je vous reviens tout de suite. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, je vais remplir. Donc voilà, comme d'hab. Hein. Donc voilà. Donc je vais finir le coloriage donc avec vous, mais en speed coloring, comme ça vous verrez bah, l'évolution du coloriage. Et ensuite je terminerai par le noir. Mais je crois pas qu'il y a beaucoup de noir vu que là les contours c'est en couleur, là aussi je pense que le noir c'est juste pour les yeux. Donc voilà, je vais faire un speed coloring et bah je reviendrai vous parler à la fin.
Donc voilà, pour toutes les couleurs, donc là je vais finir le noir, donc il n'y a plus grand chose comme j'avais dit. Donc je vais le faire vite fait avec vous. Donc je me suis pas appliquée à 100% pour le coloriage parce que bah c'est compliqué de filmer et colorier en même temps, enfin je trouve. Et en plus de ça, bah, je veux pas que non plus la vidéo dure 3 heures, donc je me dépêche. Et comme je me dépêche, et bien, bah, je me dépêche quoi. Mais en vrai, je trouve ça va. Elle a une nuque comme ça, je trouve qu'il y a. Bon, ici, on voit quand même les traces, mais ça, comme j'ai dit, au fait, c'est normal. Mais je trouve que ça va. Oh là, super, mon feutre noir qui me lâche. Donc en feutre noir, là j'utilise le Paper Merit Flair en noir du coup. C'est pas mon préféré. J'avais acheté la boîte de 12 parce qu'elle était en promo sur Amazon. Moi je préfère les Pointe Max de Stabilo. Ceux-là je trouve qu'ils sont durs. Et en plus de ça, je trouve qu'ils durent pas longtemps. Que les Pointe Max, je sais que je faisais beaucoup de colos avec eux. Avec un feutre. Et la mine n'est pas trop dure. Le noir, il est bien intense. Donc là, j'attends de finir cela et je reprendrai les points de max. Donc voilà, le coloriage est terminé. Donc moi, il me plaît. Donc j'espère qu'il vous plaît aussi, du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!